Allez, encore une nouvelle journée qui démarre, tiens. Bonjour. Allez, parti. Eh bien, bonjour tout le monde, ici Goblin. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau sur Bus Simulator 2021 avec le DLC des écoles. Et là, on s'occupe de la mission de la Novak University qui a ouvert ses portes tout récemment. Et du coup, on est pour l'instant le seul bus habilité à emmener les gamins tout simplement. Attention ici, c'est assez étroit. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Et il y a un beau soleil aujourd'hui. Il fait beau, il est 8 h du matin. J'ai bien, bien dormi. On y va tranquillement. Hop. Attention, il y a le petit stop. On va le respecter, bien évidemment. Aujourd'hui, ouais, voilà, c'est la bonne humeur, ce qui est plutôt rare. Merci, je m'étais engagé. On est dans un bon mood avec le char d'assaut, hein, vu l'engin. Et on espère que ça va bien se passer. Mais tant qu'il y a le soleil, de toute façon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein. Tout simplement. Bon, j'étais parti en vacances un petit peu là. Vous savez, hein, nous, dès qu'on fait un petit peu de trajet, après, on a tout de suite le droit à des congés. C'est plutôt cool, hein. Voilà, on était en vacances tranquillement. Attention, voilà. On était reparti du côté de l'Europe un petit peu. Ah oui, hein. Mon continent, forcément. Merci le camion qui s'arrête, le petit van. Oh, ça se passe bien, ça se passe bien. Il est tellement agréable finalement à conduire. Et je vois que la mode des cheveux bleu turquoise, hein, est toujours présente, hein. Wow, mauvaise position à l'arrêt. Bon, si vous voulez, fais voir vite fait. Bon, on est plutôt bien garé, je trouve. Allez. Bon, là, il n'y a que 3, 4 arrêts, je crois, ou 3 arrêts, je sais plus. C'est un petit trajet en soi. Enfin, c'est un grand trajet, mais avec peu d'arrêts. Hop. Parce qu'on va dans la, on va aller dans la campagne. Vous allez voir que la Novak Academy, qui vient d'être construite tout récemment, hein, elle ouvre ses portes là cette semaine. Elle est assez lointaine. Mais ça permet que. Hop, attention. Non, c'est bon, on peut y aller. Ça permet que les enfants de la campagne n'ont plus besoin de venir en ville. Mais il y a certains gamins dans la ville, d'ici, qui veulent aller dans l'université de là-haut. Donc, pour ça qu'on dessert, tout simplement, en partant d'ici. Allez, merci. Et oui, on utilise correctement les clignotants, on respecte le code de la route. Il y a le petit feu rouge, on va le respecter. Et il est passé au vert. Attention. Merci. On y va. Oh, le petit burger là! Oh, à 4,95 $ seulement! Oh, il m'a donné envie, hein. Vous avez vu la petite publicité là? Oh, elle m'a donné fortement envie. Ah, j'ai faim maintenant. 8 h 30, j'ai faim. Petite boîte de bus, ça fait plaisir. Et la musique là, attendez, attendez, attendez. Par contre, on est de bonne humeur, mais attendez, attendez. Oh, il est où, il est où, il est où avec sa musique là? Eh, tu te crois en salon de disco là? Non, non, comment? Ouais, mais non, c'est trop fort. Allez, on y retourne. On reste de bonne humeur, hein. On va pas s'énerver pour ça. On peut y aller, y a personne. Là, je crois que c'est le troisième arrêt, hein, seulement. Et dernier arrêt pour ensuite aller à l'école. Hop. On est très bien garé, moi, je pense. Voilà, timing parfait, on est à l'heure. Tout va bien. Bonjour. Bonne journée à vous. Oh, je leur souhaite déjà la bonne journée. Je suis tellement de bonne humeur que voilà. Et on peut y aller, on y retourne. Direction la Novak Academy. Alors c'est une école assez prestigieuse quand même. En réalité, il faut être d'une famille assez huppée. En réalité, dans cette nouvelle académie, je sais qu'ils ont embauché les meilleurs des meilleurs en termes de professeurs. Et je crois qu'un certain Père Clochette est d'ailleurs là-bas en tant que professeur de français. Attention, attention, petit dos d'âne. Voilà.
Donc, avec un tel professeur, les élèves ne pourront que bien s'en sortir dans cette langue. Et oui, hein, parce qu'aux États-Unis, on apprend aussi un peu le français quand même. What? Bon, vous n'avez rien vu, hein, c'est le jeu. Hein. Là, vous êtes témoin. Hein. N'importe quoi. Attention à la dame qui passe. Mais je vois qu'en fait, il y a encore un petit arrêt avant d'aller à la Novak Academy. Finalement, il y a un peu plus d'arrêts que prévu, ouais. Il y en a un de plus. Qu'est-ce que j'avais anticipé? Hop. Et voilà. Bien le bonjour. Est-ce qu'on est à l'heure? Est-ce qu'on est à l'heure? Je pense que oui. Oui, bon, 10 secondes de... Ouais, on aurait quelques secondes de retard, c'est rien ça. Allez, on y retourne. On est dans les temps, c'est tout. Tout est bien calculé. Attention, madame. Eh oui. Je ne sais pas trop où aller sur son passage piéton. Et d'ailleurs, on a regraissé le volant, le siège et tout. Ça, c'est cool. Ça ne grince plus. Ah, c'est quand même plus agréable, hein. Que ce soit pour vous ou pour moi, c'est un peu plus plaisant. Et c'est très beau ici. À l'entreprise Paulus, je sais pas c'est quoi comme entreprise. Ouais. C'est très sympathique ici. Ce quartier me parle même pas. Et je vois qu'il y a un petit restaurant là-bas. Ouh, on va venir là après, moi je pense. Tranquillement. Ouais, c'est très très joli ici, hein. On va se jeter vite fait. Eh ouais, je sais pas trop ce que c'est ici, mais très sympathique ce quartier. Attention. Hop. Avec la petite caméra drone. Merci à Mauricio Lombardi, hein, il m'a envoyé un drone. C'est plutôt cool. Afin d'avoir de meilleurs plans. De caméra, et attention, ici où c'est le passage, on peut y aller. Ah, il se conduit bien quand même ce bus. Hein. Au début, on le critiquait peut-être un petit peu, l'espèce de petit tank, mais finalement, il se conduit bien. Et là, on a direction la Novak Academy. Attention, c'est le passage, on peut y aller, il n'y a personne. Lui, il tourne. On est bon. Le petit tunnel. Dans la montagne. Attention aux éboulements. On voit qu'il y a pas mal de rochers hein, qui sont tombés ces derniers temps. Et que la route n'est pas forcément des plus correctes. Hein. On était un poil trop vite, ouais. On a ralenti un petit peu. On fait attention. Hein. On a des enfants donc à charge. Donc il faut faire très attention. On se méfie qu'il n'y a pas d'autres éboulements hein, parce que c'est encore la nuit dernière. Hein. Il y a un rocher qui est tombé dans ce passage. Donc on se méfie, mais là pour l'instant nickel. En plus on arrive au feu vert. On est à l'heure, on est à l'heure. Et voilà, allez là, la prestigieuse école, hein, on voit hein, que c'est assez luxueux ici. On va faire le tour tranquillement. Hop. Bien pensé. Oh la belle villa là en face. Il y en a qui ont du pognon. Il y en a qui ont du pognon. Oh là là, la villa sur pilotis. Incroyable. Un jour peut-être pourra s'offrir de telles baraques. Et attention. Et voilà, on va arriver tranquillement. Voilà, je pense qu'on va avoir du 5 étoiles. C'est ici qu'on s'arrête pour les décharger, ouais. Ouais, ok. Tellement luxueux qu'on n'a même pas le droit de se garer devant l'académie parce que notre bus, il est pas. Voilà, il vend pas du rêve. Allez, bonne journée à vous. Non, c'est pas moi ce soir, c'est pas moi. C'est pas moi. Et voilà, 87%, c'est bien. C'est parfait, on va aller se jeter vite fait les petites villas là. Ouh, parce que franchement, ouh, ça donne envie, ça donne envie. Oh là 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 là, les baraques de folie. Avec les bagnoles qu'ils ont, les gens.
Oh là 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 là, quand je vous ai dit que c'était ici un quartier de riches, oh, je vous ai pas menti. Po 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 po. Promettez-moi ça, tout ça là. Oh, la baraque devant. Oh là 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 là. Tout vitré et tout. Oh là là, la dinguerie. Il fait quoi lui? Il me double sans ouf. Ça a cédé le passage, normal que je m'arrête. Oh là 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 là. Je reviens pas à mes yeux. Oh là là. Oh, c'est un restaurant ici, mais ça doit coûter une blinde. On va aller regarder les menus. On va aller regarder les menus. Il n'y a pas de parking. Par contre, on va se garer. Je sais pas où on va se garer, nous. Non, sur le trottoir ici. On va peut-être éviter. Oh, la piscine! Po, 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 po. Ouais, il y avait un objet de valeur, bah tant pis. Hein. Bah, vu que c'est des gamins de riches, à mon avis, l'objet de valeur, c'était l'iPhone 15. Hein. Po, 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 la baraque, on va s'y garer, on va s'y garer. J'attends juste que le van y passe. Allez, Van, tu peux y arriver. Merci. On va se garer sur le trottoir. Oh là 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 là! Mais c'était dinguerie ici comme baraque. Hop. En plus, on utilise correctement le clignotant. On va même pas gêner le trafic. Hop là. Oh là 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 là. Un jour, on aura ce genre de baraque. Croyez-moi. On va aller regarder les menus là-haut. On va arrêter le bus. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Hop, on va retirer les clés. Bon, ici, normalement, ça craint pas. Hein. Il n'y a pas trop de voleurs ici. La police surveille bien. On va aller regarder les menus du restaurant. Bon, ça devrait pas gêner. Le gars, je sais pas s'il est chez lui. S'il y a sa voiture, il doit être chez lui, mais bon. On ferait bien un saut hein, dans la piscine après. Mais bon, il est chez lui, hein. On reviendra en pleine nuit. Il ira se baigner. Enfin, bref. On va aller checker vite fait. On va prendre le passage piéton. Oh, les baraques! Oh là là! Pouf. Oh, je reviens pas, je reviens pas. Oh là là, mais c'est magnifique! C'est incroyable ici! C'est incroyable! Les menus! Café, combien? 25 dollars le café! Oh ouais, mais moi je mange pas ici, hein. Bah non! Bah écoutez, moi je vais retourner dans mes quartiers de pauvres, entre guillemets, et puis je vais prendre mon café à 1,50€, c'est déjà très, très cher, je trouve. Là, 25 dollars de café, hein. Ouh, ça fait mal. Bon, allez, moi, je vous retrouve demain. Donc, tout est prêt, c'est bon pour le bus? Ok, merci. Petite signature? Ok, ça marche. Hop, voilà. Vous me l'avez fait tourner, c'est gentil, merci beaucoup. Passez une bonne journée, au revoir. Bon, la journée se lève. Ouais, je suis avec un autre bus, parce que le collègue avait besoin de l'autre bus, donc on prend celui-ci. Pour faire le trajet, et là on sort du garage parce que le collègue avait éraflé un petit peu le pare-choc avant. Et là, comme on dessert une école très prestigieuse, bah on se doit d'avoir un bus impeccable. Alors on va lancer la tournée, bien évidemment. C'est parti. Hop. Attention, attention. Pas évident comme ça. Je sais même pas par où il faut passer en premier. Allez, recule. Y a personne, on peut y aller. Et c'est parti. Attention, doucement, doucement, doucement. Allez, remets ta marche avant, s'il te plaît, merci. Alors, petit GPS. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il n'y avait pas de GPS. Et en plus, c'était derrière, il faut les prendre. Bonsoir, on va tourner. On va faire demi-tour. De toute façon, on est plus ou moins dans les temps. On va quand même se dépêcher un petit peu. Voilà. Salut, collègue. Ah, il se conduit un peu mieux celui-là en réalité. Attention. Du moins il braque mieux. C'est vrai que l'autre il a un étalement allongé que pour braquer c'est pas évident. Même s'il se conduit quand même plutôt bien en réalité. Allez, on accélère un petit peu. Le prochain arrêt il est où? Il est là-bas, d'accord. Faudra faire la boucle, j'ai l'impression. Surtout ne pas arriver en retard, hein, parce que là, je vais vous dire que c'est un contrat en or. Hein. C'est super bien rémunéré par la ville. Donc c'est après qu'on fait la boucle, très bien. Et là ils sont que deux, ça marche. Hop, on arrive doucement. Parce que là on veut une note satisfaisante, hein. C'est des gamins de riches, hein, je le répète. Mais ça c'est ça reste entre nous. Bonjour, bonjour. Voilà. Et eux, je peux vous dire que bon, ils ont le droit de manger dans le bus, ça on leur interdit pas. La musique oui, mais on va pas râler pour les miettes. C'est le patron, il a dit tu te tais, hein. Je lui ai dit d'accord. Par contre, je lui ai dit vous embauchez une femme de ménage en contrepartie.
Il m'a dit, bah ça sera toi. Après 22 h, tu mets ta perruque et tu te mets en femme de ménage. J'ai pas trop eu le choix d'accepter. Voilà, hein, je suis franc avec vous. Attention, on monte sur le trottoir, mais là aussi c'est étroit. Hein. Et une fois de plus, il fait beau. Hein. Il y a eu une tempête cette nuit. Par contre, ça a flotté, flotté, flotté. Bon, vous savez, moi aussi, j'ai plus trop de maison, donc j'ai dormi dans le hangar. Je peux vous dire que la flotte, quand elle tombait, ça résonnait bien. Hein. Contre la tôle. Donc j'ai bien entendu que ça flottait. C'était la tempête et ça s'est calmé vers 4 h du matin. Merci, il me laisse passer. Donc tant mieux. Et là, il y a le soleil. Voilà. Le climat varie beaucoup. Mais ce qui compte, c'est que la journée, on profite tranquillement. Malgré qu'il fasse un peu frais. Hein. Il fait un petit peu frais. On va mettre le chauffage quand même pour les gamins. Même si ce bus-là, je ne sais pas s'il y a le chauffage. Je n'ai pas trouvé. Attendez, on va essayer de regarder quand même. Il doit y avoir. Hop, on va en profiter. Allez-y, allez-y. Chauffage, chauffage, chauffage. Ah, c'est celle-là. Tac, voilà. On va leur mettre le chauffage là pour pas qu'ils aient froid. Ah, nos petits soins là. Nos petits soins, on n'a jamais été aussi propre dans notre conduite et tout. Il n'y a que des points corrects. Ça fait plaisir. Lui aussi me laisse passer, c'est très gentil. Putain, ils sont courtois ici pour une fois. Ah, ça me rappelle. Bah, ça me rappelle pas justement en Europe où tout le monde faisait le forcing pour passer. Bonjour. Bonjour. Hop, on y va. Voilà. Maintenant, il nous reste que ouais, un troisième arrêt et puis ensuite direction à la Novak Academy. Hop, on a mis la petite caméra drone pour varier un peu. Oula, 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 attention. Il y a des nids de poules à droite à gauche. Attention à braquer correctement. Pas évident avec la caméra drone. On va se remettre, voilà, comme ça. Et il y a l'hôtel Rojal. C'est pas un Plaza Hotel ici? D'accord, ok. Ah, les Plaza Hotel, vous savez que moi j'aime bien beaucoup. Hein. J'aime beaucoup les Plaza Hotel. Cet arrêt-là, on le fait pas. Ok. Hop. C'est ici. Avec la petite voie de bus. Ça, c'est bien ça. Au moins, on est tranquille. On sait qu'il n'y aura personne pour nous gêner. Hop là. Bonjour. Et le chef qui m'a envoyé ma fiche de paye. On va regarder ça. On va regarder ça. Apparemment, chiffre de paye, ça fait plaisir. Alors, combien il m'a versé pour. On est payé ici à la journée. Hein. 64 balles. D'accord. Pas ouf. Hein. Bref, 64 balles. Bon, c'est pas cher payé. Hein, je trouve. Attention, attention. On peut y aller, ouais, on peut y aller. On va passer sur. Non, on passe pas sur le pont, si. Non, non, on prend pas le pont. Je connais pas trop ces quartiers-là, moi. Je vous avoue que je découvre un petit peu en même temps que vous. Non, non, on prend pas le pont. Oh, ça aurait été sympathique. Oula, attention. Les voies de tramway là. J'ai eu peur le radar, j'ai cru que j'étais au-dessus de la limitation de vitesse. Les voies de tramway sont assez instables. J'aime bien les petits palmiers comme ça. Ambiance un peu Miami, un peu Vice City. Ah, d'ailleurs, petite annonce là, apparemment GTA 6, c'est pour bientôt. On va suivre ça, hein, on va suivre ça avec, avec grande attention. En ce mois de décembre. Il fait froid un petit peu, je me réchauffe les mains comme je peux. Il fait frais quand même.
bleu, c'est vert. Ah oui, c'est le truc de Arnold Park ici. Ah oui, on connaît, on connaît. C'est vrai, c'est vrai. Parc bien sympathique. Bon, prochaine à droite. Et ça se passe bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais on n'a jamais été aussi professionnel. Pas d'accident. Tranquillement. Là, tout de suite, quand on m'indique qu'il faut être pro, et bah ben voilà, on l'est derrière. Hein. Le chef va être satisfait, je pense quand même. S'il ne l'est pas, je comprends pas. Allez. On y va doucement, on respecte toutes les limitations de vitesse. Il y a de la flotte. Oh là là, attention, il y a de l'aquaplaning, l'aquaplaning à moitié. Je vous ai dit, hein, ça a bien tombé, c'est bien tombé cette nuit. Hein. Il y a de la flotte partout. Ouais. Et les pneus du bus, ils ont quelques dizaines de milliers de kilomètres. Hein. Donc on fait attention sur l'eau. Vous savez, un chauffeur Goblune, alias pilote Goblune également, il n'aime pas ça, la flotte, ça. Oh que non. Et on doit arriver normalement. On connaît quelques villas et tout, donc ouais, on commence à arriver du coup. Hop. Le collègue. Salut. Et hop, on prend ici. Là, c'est pas mal, c'est un petit trajet qui se passe bien. On n'est pas beaucoup dans le bus, mais au moins c'est calme. Et c'est plaisant, attention. Ok, il tournait, on n'avait pas vu. On peut y aller. Ouais, on peut y aller. Bon, on s'était engagé déjà. Bon, je m'excuse, mais bon, là, il verra pas le mec. Ça aurait été le comble hein, d'avoir un accident sur la toute fin. Oh, qu'est-ce que ça aurait été embêtant. En tout cas, on est arrivé. Ça, c'est top. Bah voilà. Oh, le chef, il va être content. Il va être content. Allez. Bonne journée à vous. Non, c'est pas moi. Non, non, c'est pas moi l'après-midi. Moi, je fais que le matin. Eh ben, c'est parfait. Alors, c'est la femme du patron qui m'envoie des messages comme quoi elle est satisfaite 87% une fois de plus. Pour y avoir un peu plus quand même, je trouve. Hein. C'est grâce à tous les réseaux de bus scolaires hein, que chaque jour, je sais pas quoi, là, sont contents. On va aller une fois de plus se garer quelque part. Oh, tiens, il y a un autre bus aussi qui dessert. De notre compagnie. Salut collègue. Eh, t'es en retard, toi, t'es en retard, frérot. Oh, je le charrie à distance. C'est vert, ouais. Et puis, bah, nous, on va se garer. Attends, parce que ça me parle, ça me parle. Oh, chef, attendez. Eh ben, c'est qu'on aurait fini, chef. Allô, allô, oui, mais chef, attends, je suis au volant. Attends, ouais, je m'arrête sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, je suis muté? Attendez, attends, attends. Ouais, je vais. Attends, je me gare, chef. Attendez, chef, excusez-moi. Oui. Bon, on se tutoyait avant, non? Qu'est-ce qu'il y a, chef, du coup? Je suis muté. Comment ça, je suis muté? Est-ce que vous avez engagé un autre chauffeur? D'accord, qui prendra mon service les matins? Ok. Et du coup, je suis muté dans le service de tramway. Comment ça? Demain, je suis en formation. Demain, chef, on est samedi demain. D'accord. Formation tout le week-end? Est-ce que je prends service? Et je prends mon service quand du coup D'accord, semaine prochaine. Dans le tramway. Dans les tramways, ok. Ouais, bah ça marche. Bah je passerai la formation du coup, je vous laisse m'envoyer ce qu'il faut. Ok, bah merci, bonne journée à vous. Au revoir. Oula, mais c'est quoi cette histoire, les amis? Bah terrible nouvelle, collègue qui passe. Apparemment ils ont engagé un nouvel employé et prendra ma relève pour les bus scolaires. Et ben moi je serai engagé dans le tramway. En tant que chauffeur de tramway, j'ai la formation à passer là pendant tout le week-end. Misère. Bon bah écoutez, on se tient au courant. Et puis en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis du coup bah je vous dis à très bientôt pour la découverte du DLC Tramway sans bus Simulator 2021. Allez, bonne journée à vous. Bye bye.